Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 11h18 minutes ici, dans le département de la Sarthe, au Mans. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine d'Andjogo. Ce matin, je dépose mes valises à Kango, dans le département du Komokango. Chers compatriotes de Kango, chers beaux-parents, je pense que le fang de l'estuaire est un homme digne et la dignité a toujours été le socle de votre vivre ensemble. Mais voyez-vous, lorsqu'on veut vous défier, il faut savoir répondre à la défiance. Depuis quelques jours, je suis au regret de constater que un certain Jean-Robert Helmut Mutinga Bulingi, le directeur général de Gabon Télévision, fait des publi-reportages sur Kango pour vendre l'image de la Camerounaise Laurence Mbango. À mon humble avis, c'est une injure de trop au peuple gabonais, dans la mesure où Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la transition, sait très bien que cette dame est camerounaise. Et il a dit, dès sa prise de pouvoir, qu'il restituait la dignité des Gabonais. La dignité des Gabonais. Et que pour être en responsabilité au Gabon, il fallait avoir ses deux parents qui soient d'origine gabonaise. Or, les faits sont têtus en ce qui concerne Madame Laurence Mbango, bien qu'étant mariée à un Gabonais, elle est de père et de mère camerounais. Ce qui est une entorse aux nouvelles dispositions que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema veut mettre en place. Peuple de Kango, je me suis repenti à plusieurs reprises. J'ai fait ma part de travail. C'est pour cela que je demande à chacun d'entre vous de prendre ses responsabilités. Je ne vous demande pas d'injurier M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, mais je vous demande de rester chez vous pour montrer à M. Brice Clotaire Oligui-Nguema que vous n'êtes pas d'accord avec son choix. C'est une question de choix. Kango a des filles et des fils originaires de Kango, de père et de mère gabonais. C'est ça l'enjeu qu'il y a dans l'affaire qui nous oppose à M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Il y a une affaire, c'est que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema ne respecte pas sa parole. Nous sommes devant un fait inédit où on nous impose une Camerounaise comme ministre. Je ne vous interdis non plus de voter positivement au référendum en fonction de la constitution qu'on nous présentera dans les jours à venir, mais en ce qui concerne la réception de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema à Kango, je demande aux Congolais épris de liberté, ceux qui, comme moi, ne peuvent pas brader la dignité du peuple gabonais. Je ne vous ai pas demandé de crier sur qui que ce soit. Je ne vous ai pas demandé d'être irrespectueux. Mais je vous demande seulement de rester chez vous en signe de protestation. Parce que lui, Helmut Mutigan Bulingi, n'acceptera jamais qu'un Congolais ou quelqu'un d'autre puisse être le leader politique dans sa circonscription politique. Où il est né, c'est pas possible. Mais monsieur Helmut Mutinga Bulingi, je suis convaincu que face à la misère des Gabonais, un malheur doit s'abattre sur vous, monsieur Mutinga Bulingi. Vous êtes d'une extrême méchanceté. Vous ne pouvez pas passer votre temps à utiliser la télévision gabonaise, payée par le contribuable gabonais, pour faire la promotion d'une Camerounaise, monsieur Helmut Mutinga Bulingi. Au nom de nos ancêtres,
Au nom des ancêtres du Gabon, un malheur doit s'abattre sur vous. Parce que c'est un acte de haute trahison, monsieur Jean-Robert Edmund Mutinga Bolingui. Nous refusons cela. Ce pays a trop souffert. Nous avons été clochardisés pendant 14 ans par Ali Bongo Ondimba parce qu'il n'avait rien à voir avec les Gabonais. C'est un sujet nigérien. Et vous avez vu comment le Dieu éternel l'a frappé jusqu'à ce qu'il ait un AVC invalidant. Et M. Emout Moutinga Bolingui, je crois que face à ce qui se fait à Kango, c'est une injure au peuple congolais. Et vous, mes beaux parents-fans, les fans de Kango, si vous avez un peu de dignité, vous devez le faire savoir à Brice Clotaire ou Liguinguema. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas reçu là-bas à Kango que Kango ne va plus exister. Vous devez contester le choix de Mme Laurence Mbango parce que c'est une Camerounaise. Le reste, ce n'est que du déjà vu et du venez voir. Je vous sais suffisamment un peuple conquérant et digne parce que le peuple Ekan reste un peuple fort. Aux Congolais, je demanderai de rester chacun chez soi. La visite de M. Brice Clotaire au Liguinguema avec 100 ministres camerounais, ils n'ont qu'à se débrouiller parce que ça ne sert à rien. Il doit respecter la parole donnée. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo depuis le département de la Sarthe au Mans. Je vous remercie. Il est 11h25 ici.